Et bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Run Simulator. Direction la routine. Toc toc. La petite routine. Je vais remplir le truc, parfait. Fromage, on en est où du fromage là-dedans? On entame la troisième colonne. Je me tâte à tout mettre dans un camion en fait. Je sais pas du tout. La viande, ah ouais, enfin, je sais pas. Ça va être très très long, oui. Est-ce que je l'ai fait exprès ou pas là? Est-ce que je suis reparti à deux là-bas sans avoir récupéré une autre caisse? J'ai un problème. Alors la viande. Ça fait plaisir. Parfait. Bon, le bouc il va mourir hein, sur la voiture. Hein. On le sait. Hein. Alors, normalement, voilà. Quoi? Ah, j'avais... Attends. Ah, il me semblait qu'il y avait du lait de chef qui m'attendait, c'est pour ça. Ok. Est-ce qu'il y avait des choses là-bas? Ah, je vois des portes fermées, donc sûrement. Du bon salami. Alors, je suis pas fan moi du salami. Hein. Moi, je préfère d'autres charcuteries. Je sais même pas si c'est du salami, ça on dirait plus de la saucisse, non? Et hop là! Encore de la viande de fête! Mmh. Alors, ça va aller. J'arrive pas à le mettre. Je peux le mettre, hein, ou pas? Oui. Ok. Quel talent. Ah, il n'y en a plus, là. Et j'ai pas appris une classe hier. Après, on va planter nos arbres là, on va voir où ça en est. On va faire quelques salamis. Ok, bon. Commençons avec les vaches et le lait de vache.
Comment faire venir les vaches? On ouvre ça. Et normalement, après, elles doivent venir. Tiens. Voilà, ça arrive. Ça arrive, regardez, ça arrive. Tout arrive, là. Liberté! Pas du tout. Non, non, mais tu peux rester là, toi. Hop. Vous savez quoi? Je vais vous enfermer. Ok, 3 vaches, ça fait... Ok. Je croyais que c'était 4 vaches. Et 6 œufs. C'est laquelle que j'ai pas. Mais t'es un taureau, toi? T'es un taureau? Ok. Bon, on va faire ça après. Donc il y avait un bébé qui était un taureau, ok. J'espère qu'il a pas mis gestant d'autres femelles, quoi. Allez. Ne perdons pas de temps. J'ai une musique dans la tête. Ça veut pas partir. Après, elle est pas mauvaise, hein. Mais punaise, ça veut pas partir quoi. C'est une musique de. Bah, je crois que c'est de la K-pop en plus. Mais c'est pas que des. C'est pas que des Coréens, etc. Attends, je vais fermer ça. Il y avait touch, là, je sais pas quoi, là. Je l'ai haute dans la tête tout le temps. C'est horrible. Du coup, alors là, on fait une deuxième fournée de fromage. Donc, ce qui en fait 12. Pas mal du tout. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire d'autres ou pas? Oh, regardez, un poulain qui est né. On va aller le vendre après. Oh, t'es encore gestant toi. Et il y a d'autres animaux qui sont gestants. Je crois que j'ai un autre cheval qui est gestant, une autre jument.
Et poussez-vous les vaches. Il me reste deux vaches à faire. Dadan qui est encore gestante. Ok. Et du coup, ça fait 18 fromages par jour, ce qui est pas mal du tout. Ça remplit le... Ça remplit les armoires, quoi. Donc là, on est good. On va chercher vite fait la glacière. Pour le pouvoir le détruire, enfin, enfin, dépecer notre bœuf qui est en trop. Il explose pas, lui. Allez. Hop. Attendez, ça me gêne. Hop. Parfait. Non, c'est pas ma... Oui, voilà, je suis peur. J'ai oublié de mettre l'œuf. Le pire, c'est que je suis allé chercher les trucs exprès. Pourquoi? Parfait ça, petites armoires qui sont faites là. Ok, donc là on est bon, on est très bon. Ensuite ici, oula. Alors. T'es bien grande, t'es bien belle, je dois le dire. Mais tu manques un peu de gras. On va attendre un petit peu que tu gonfles un petit peu comme ta mère. Ça est bien. On va prendre l'ananas. Ah bah il n'y en a qu'un. Raisin, il n'y en a pas. Parfait. Niveau biquette, normalement, il n'y a plus de bouc.
Ok. Non, là, c'est déjà fait. Elle, c'est déjà fait. C'est déjà fait ou alors on est à 40. Non, on est à 42. Elle, c'est déjà fait. Elle, c'est pas fait, pardon. Et on atteint la limite. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Alors là, c'est journée fromage, quoi. Ok, il y a un œuf de chaque. Ok. Oula. Il y a un petit flash là, noir. On va prendre ça, on va ramasser des œufs. Et il y a la dose en œuf. On ferme tout ça, voilà. Donc du coup, il va falloir attendre que les fromages de vache soient faits. Et c'est pas fait. Ensuite, les porcs. Est-ce que ça grossit? Est-ce que la truite est gestante? Alors toi, t'es le maître bacon. Les petits sont là. La truite gestante. Donc bacon, on va te retrouver. Enfin, on va te retourner. On va te remettre. T'es trop gros, sérieux? Dans ton enclos à toi. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, tout là c'est bon. On va passer à ça. On met ça là-dedans. On met ça là-dedans. J'ai eu peur là. On met ça là-dedans. Et on met ça là-dedans. Ensuite, on remet du porc. On active tout. Et en attendant, on les met là. Tantantant. On met des œufs.
On prend, on pose. Parfait. Maintenant les œufs. On met ça là-dedans. Ok, je pense qu'on a la bonne cadence. Tac. De nouveau les œufs. Le cochon. Franchement, on avance bien, on se débrouille bien. On est plutôt efficace. On est plutôt très efficace. Et les quatre derniers. Et après, on ira chercher de nouveau des comment ça s'appelle? Tes œufs. Il y en aura 200 œufs. Nickel. On prend ça, je vais aller voir vite fait si elle est... si les fromages sont faits. Pas cela, cela. Yes, ils sont faits. Et encore un... ah, comment ça s'appelle ? Une glacière pleine. Et ceux-là aussi sont faits. Du coup, on va poser celui-là. On ramène une glacière. Donc là, ça fait déjà deux glacières. Hein. Deux glacières de fromage pour aujourd'hui. Nickel. On va chercher les œufs. Il y en a 40, vous pensez là-dedans? J'ai eu peur. Et non, il n'y en a pas 40. Ah, c'est la fin. Ok. Ok. On va faire le miel. Aujourd'hui, on fait le miel.
Ça fait du bien de marcher. Alors. Alors. Hop. Voilà. C'est activé ça ou pas? Ouais. Il est où? Ah ouais, je l'ai mis derrière. Ok, ça me pique pas. Ok, parfait. Je suis bête. Je suis très bête. Oh, j'avais jamais vu la vue qu'on avait de là. Waouh. Elle est folle, non? Ah, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Du coup là je vais me faire piquer ou pas? Même pas. Tant que c'est dans la zone je pense, il y a une grosse zone. Jaune. Il y a une grosse zone je pense et du coup bah voilà quoi. Ça pique peau. Tant mieux hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, un nouveau tonneau. On continue. C'est 6,5, ok. En fait, c'est bien les abeilles, mais c'est long à faire. En plus, vu que j'ai décidé de faire une petite cabane sur le côté pour y mettre le récolteur de miel, là, je sais pas comment on appelle ça, je dois faire des allers-retours. Ça devient très long. Okay, deuxième pot. Et celui-là, il va pas être plein.
Il va s'arrêter, je pense, à 4, 5 ou 5. Ah! 5, 9, 6. Vite, 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 parce qu'il y a autre chose que j'aimerais y faire. Voilà, 6 c'est pas mal. Allez, et c'est vraiment, franchement c'est vraiment beau, hein. Moi j'aime beaucoup. On va aller voir où ça en est nos comment ça s'appelle? Nos arbres. Ah, je crois que je vois leurs feuilles là-bas au fond. Ouais, ça a bien grandi. Du coup, on va tout casser, 100%. Deux branches pour celui-là. Mon ordinateur n'aime pas la tempête. Comme ça avait un peu soufflé, j'étais inquiet, je suis regardé, mais c'est bon. On va faire ça vite. Oh, calme-toi, allez. Attends, mais je peux pas en prendre plusieurs d'un coup là? Non. Ok, maintenant on va voir pour les plantes, il y en a quoi? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10, 11 arbres. Ok. On va planter 11 arbres. Alors. 1.
10 et 11. C'est chiant par contre pour les prendre. Hein. Très très chiant. Je crois que de base on avait que 5 semences, non? 5 boutures. Le flash noir il me fait à chaque fois peur. J'ai l'impression que mon PC il va décéder. Mais non, c'est juste le jeu qui sauvegarde. Ok. Ok. Bon. Du coup, nous, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.